Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes en forme pour ce cours de full body training. On est parti pour 45 minutes de plaisir. Alors de nouveau, Sarah va m'aider à lancer la vidéo, elle est derrière, elle a pris ma place. N'hésitez pas à dire bonjour à Sarah, bonjour Sarah, en commentaire, je veux plein de bonjour Sarah. Et donc après, je serai en roue libre, donc n'hésitez pas, j'ai mon GSM tout près, n'hésitez pas à me dire si la musique va trop fort, si le micro va trop fort ou l'inverse. Donc voilà. Ça va? On est parti pour l'échauffement, on commence par la mobilisation. Aussi, avant de partir, j'espère que vous avez vos deux poids. Alors j'ai oublié mes bouquins, donc j'ai trouvé deux poids ici pour faire les exercices d'épaule. Si ce n'est pas le cas, vous aurez quelques secondes après l'échauffement pour aller les chercher. Ok? C'est parti, Music Maestro. Ok, on prend son pied, enfin son genou plutôt, et on fait tourner son pied dans un sens. L'autre sens, cet exercice d'équilibre en même temps. L'autre sens, hop. L'autre sens. Ok, on passe en léger squat, les bras tendus. Rotation à gauche et à droite, calmement. Sarah, n'oublie pas ta gourde. Main aux hanches, rotation. L'autre sens, on essaye chaque fois d'aller chercher un peu plus loin. Allez, on se met à trottiner. On va enchaîner sur un lever de genou. Lent. Droite, gauche. Let's go. Et 1, 2, 1, 2. On n'oublie pas d'utiliser les bras en opposition. Yep, yep, hop. Tape fesse. 1, 2, hop. Ok, on reste bas. Petit squat léger. On tourne un peu les poignets. On chauffe un peu les cuisses en même temps. L'autre sens. Serre bien les fesses que tu as en squat comme ça. Rentre bien le ventre. Cherche l'autograndissement. On tend les bras, petit rond. Chauffez les épaules. L'autre sens. On vient toucher l'omoplate. L'autre. Touche. L'autre. Touche. L'autre. Et recommence à trottiner. Jumping jacks double. 1, 2, rajoute les bras. Hop. Même chose vers l'avant, lent, hop. N'hésite pas à rajouter un point, back, tac, tac. Va chercher devant. Et relâche. Termine par, on recommence un petit peu les chevilles. On retermine par les chevilles. Termine l'échauffement là-dessus. Et l'autre côté. Ok, petite pause. Sarah, tu peux écouter un peu de la musique. Merci. Ok, j'espère qu'on est bon. Je regarde jamais le live en route, comme ça, après, je pourrai regarder les commentaires en même temps. Hop. Allez, let's go. Donc, ensuite, on va enchaîner avec les squats, ok? Rappel de la position. On commencera avec les pieds, largeur de hanche, un peu plus large, ok? Important de descendre vers le bas. Alors si les genoux vont un petit peu vers l'avant, c'est pas trop grave, on évite de faire ceci. Hop. Et de bien serrer les fesses en remontant. On met les bras vers l'avant pour l'équilibre.
Hop, je serre les fesses, je rentre le ventre, je cherche l'autograndissement. Ok, j'évite ceci. Hop, je reste grand. Je serre les fesses en montant. Ok, pareil sur le squat sumo. Hop, je monte. Ok, le genou toujours vers le deuxième orteil. Ça va, j'ai assez parlé, maintenant c'est fini. On est parti pour 40 minutes sans pause. Allez, courage. On part en bas, on se met en bas, on reste. N'hésitez pas à dire si c'est trop fort, pas assez fort. Allez, on tient. On remonte. Lent, descend deux temps. 2, 2, 1. Et bas, bas, serre les fesses et monte. Bas, bas, haut, haut. Bas, bas, haut. Encore. Rentre le ventre. 2, 1. Dernière. 1, 2. Descendre en 3, monter en 1. 1, 2, 3. Un dernier comme ça, 2, 3, reste en bas et pulse. Hop. Petit mouvement, plus ou moins 10 cm vers le haut. Serre les fesses, rentre le ventre, genou plus ou moins vers le deuxième orteil, pas vers l'intérieur. Hop. Remontez, repart. Hop, hop, hop. On a un peu de profil. Fesses bien serrées toujours, super important. Et ceux qui savent, vous restez en bas. Ceux qui ont besoin d'une petite pause, c'est le moment. Vous restez en haut. Et relâche pour tout le monde. On se remet en place. Je ne me remets pas, c'est plus sympa. On repasse sur un 4-4. 4 descentes, 4 montées. Let's go. Et 1, 2, 3, 4. Et 4, 3, 2, 1. Bas, 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 bas. Et haut. Oh, même chose en deux temps. 1, 2, 2, 1. Bas, bas, haut, haut. Serre bien les fesses en montant. 2, 2, 1. Rentre le ventre. 2, 3. Descendre. 1. Monter. Bas, bas, bas. Pousser. Bas, bas, bas. Yep. Bas, bas, bas. Pousser. Bas, bas, bas. Et pulse. Pouf. Allez, ça commence un peu à brûler. On tient, on tient. Allez, c'est bon, ça continue comme ça, on continue. Petit remonter, redescendre. Et let's go. Quatre, trois, deux. Si tu sais, tu restes en bas. Et remonte. Prends les poids. Ça va, je regarde vite fait. Si le son c'est bon. Personne, pas de commentaire, c'est que c'est bon. On prend ses poids. On met un pied devant, un pied derrière. On fixe le bassin, on serre les abdos, on serre les fesses. Et on est parti tendu. Alors si jamais ça devient trop dur, vous pouvez faire la même chose sans les poids. Ok. Ou éventuellement avec un poids, tout ce que je fais comme ça, vous le faites avec un poids comme ceci. Petit rond. Allez, come on. On descend en deux temps. 1, 2, montée. 1, 2, bas. Haut, haut. 1, 2, 2, 1, bas, bas. Jusqu'à l'horizontale, pas plus haut. 1, 2, 2, 1. Le reste du corps ne bouge pas. On passe sur le refrain, on met les poids au-dessus de la tête, on vient lever. On peut même descendre jusqu'à la poitrine, c'est même mieux. Si c'est possible avec les livres que vous avez. Allez, encore. Yep. Yep. On serre toujours bien les fesses. Et petite pause. 8 temps de pause. Ça va vite. Allez, on tient. On va repartir sur une croix. Vous avez vu, j'ai changé de pied pour justement avoir les deux fesses qui servent bien. Hop. Allez, on tient.
Don't tell me who to love. I'm a runner, 'cause I got somewhere to run. I just listen to the voices in my head. On part sur un deux temps descendre, deux temps monter. Let's go. Et va, va. Oh, va, va. Oh, on te voit, ça va. Va. Oh, oh, va, va. Oh, oh, reste. Relâche. Reste. Relâche. Oh. Relâche. Allez, come on, on continue. Passe devant. Hop. Bien serrer les fesses. Si vous pouvez garder le pied devant. Hop. Hop. Descends. Monte. Viens mettre les poids à la poitrine. Et pousse. 2, 3, 4. On fait le refrain là-dessus. Hop. Si c'est trop lourd, je lâche un poids, j'en prends qu'un seul, je fais la même chose avec le poids. Salut Sarah, merci. Allez, tenir. Le tronc ne bouge pas, les fesses restent serrées. On évite de trop creuser dans le dos, de trop partir vers l'arrière. Même avec la fatigue. Et relâche. Alright, ça c'était pour les épaules, on relâche un petit peu. On retourne sur les jambes, sur les fentes. Ok, donc je pars vers l'arrière. J'essaie de descendre vers le bas. Et on descend en 4, 3, 2, 1, montée. 1, 2, 3, 2 temps maintenant. Bas, bas, haut, haut. Bas, bas, haut, haut. Encore. 1, 2, 2, 1, bas, un temps. Bas, 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 bas. Va. Reste en bas et pulse. Tac, tac. Allez, serre bien les fesses, rentre le ventre. Travaille sur la cuisse. Yes, on tient, on tient. Encore. Hop, hop. On peut mettre les mains en hanches. Les mains, on sait pas trop où on les met. On peut les mettre en hanches. On peut garder la position un peu de sprinter. Et reste en bas maintenant. Et hop, je tiens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Change de côté. On descend en 4. Let's go. Et bas, 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 bas. Remonte, pousse dans la jambe. Serre les fesses, rentre le ventre. Deux temps. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1, encore, je vais aller un petit peu du micro parce que ça fait un peu de la scène. On prend les 1 temps après, on arrive directement sur les pulses. 2, 2, et pulse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, remonte, repart. Allez, come on, bas. Allez, come on. Entre les chansons, n'oubliez pas le risque de boire un coup. Remonte. Il nous reste 8 fois un temps. 2, 3, 4. Cardio. A freak like me just needs infinity. 2, 1, relâche, boire un coup. Ah, j'espère que c'est un peu picoté. N'hésitez pas à faire des commentaires, là, il n'y en a pas beaucoup. Si c'était dur, si c'était pas assez dur, si c'était trop dur. Et on se met à trottiner. Deux chansons cardio. On vient toucher son pied. Hop. On prend son pied dans tous les sens du terme. Hop, hop, hop. Déplacement latéral, 3 petits pas vers la gauche, 3 petits pas vers la droite. Petit pas, boum boum boum. Je viens chercher à gauche, je viens chercher à droite. Hop, j'utilise mes bras. Hop, hop, encore. Yes. Allez, on tient.
On pousse bien dans la jambe extérieure. Je pousse, je pousse. On maintient, on accélère un peu si on sait. Si on sait pas, c'est très bien, on continue comme ça. Ah, et ça c'est pour le cardio. Les pulses montent un peu. Maintiens, maintiens. Et relâche. Petite récup. Allez, c'est parti, on se remet à trottiner. Petite récup. Alors, si c'est déjà, vous êtes déjà bout de souffle, n'hésitez pas à prendre un peu plus de récup maintenant. On vient prendre son pied arrière. Let's go. 1, 2, yop, yop. Petite danse irlandaise. Yes. Boum, boum. Allez, tout le monde, come on. On se prépare pour le déplacement latéral. Et let's go. 3 petits pas à gauche, 3 petits pas à droite. Allez, tenez, boum, boum. Hop, 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 hop. N'oublie pas d'utiliser les bras. Hop. On ralentit un petit peu. On va accélérer sur le deuxième. Et bye. Hop, hop. Allez, on tient, on tient. Trois petits pas à gauche, trois petits pas à droite. Et relâche. Deuxième chanson cardio. On peut boire un petit coup. Ceux qui sont encore trop faciles, on se remet à trottiner légèrement. Allez, mouvement. Récupérez encore s'il faut. Sur le refrain, on va faire un petit sprint sur place. Ok, on essaie de pas faire trop de bruit, pas trop taper dans le sol, donc hop. Lève le genou. Yes, 1, 2, hop, 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 hop. Bien relever les pointes de pied. 2, 1, let's go, petit sprint. Pas trop de bruit. Alors j'ai mis le micro qui bouge un petit peu, on va faire avec. Reste grand, pas trop s'affaisser. Faites bien gagner, rentre le ventre. Même là, c'est un travail d'abdos, travail de gainage. Allez, tenir, 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 encore. Relâche un petit peu. Et repart, boum. Accélère si tu sais. Lève un peu plus les genoux si tu sais pas accélérer en fréquence, mais c'est trop facile. Maintiens. Accélère encore si tu sais. Rentre le ventre. On évite de faire trop de bruit sur le sol. On est sur la pointe des pieds. Et relâche. Ok, j'espère que vous êtes toujours là. J'espère que ça chauffe toujours. Toujours pas de commentaires. Non, ça vous est toujours dedans. C'est bon. Allez, on se remet à trottiner. Petit jumping jacks double temps. 2, hop, hop, levez les bras. 1, 2, 1, 2, toujours sur la pointe des pieds. Là, vous devez commencer à le sentir un peu dans le mollet. Relâche, trottine, et dernier sprint, let's go, boum. Allez, c'est la fin de la chanson cardio après. On retournera sur du grand pot. Reste bien grand, la poitrine légèrement vers l'avant. Utilise les bras. Pointe de pied. Encore, allez. Presque au bout.
Et relax. Ok. On peut passer au sol? Allô, allô, ouais, c'est mieux comme ça, le bouton. On passe par l'ancien à côté, on lève le pied. Ok, pied bien parallèle au sol. Hop. Et on fait des petits 8. La jambe ici, on la fléchit un petit peu pour avoir plus de stabilité. On essaye d'être solide sur le coude. Ok. Mouvement lent, haut, bas. 1, tac, tac. Bah, le pied reste bien parallèle. Et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 4, 3 petites pauses et on repart. Maintenant, hop, let's go. C'est une toute petite pause. Très très légère. Bon, on reste bien grand, on reste bien solide, on pense toujours à rentrer le nombril. Et reste en haut. Change de côté dans 3, 2, 1. Change. Part directement. On se met en l'air. Pied bien parallèle au sol. Pas comme ceci. Non, parallèle au sol. Solide sur le coude. Et dessine des petits 8. Ou des petits ronds, comme vous le sentez. Mouvement lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste en haut et puis on enchaînera sur les pulses dans un mouvement rapide. Cette partie-là, on la prépare après puisqu'on l'a pas fait. Enfin, on l'a fait après sur la première partie, sur la première jambe. Relâche. Reste solide, on repart sur les mouvements rapides. Allez, on reste bien haut. Hop. Petit moyen fessier qui travaille. Entre autres. Petite pause très légère et on repart. Et relâche. All right. Santé. On va se coucher sur le dos, non pas pour faire une petite sieste, pour aller travailler les fessiers, les grands fessiers, les ischios, en hip thrust. Alors je vais aller descendre un tout petit peu le micro, il y a un peu de l'arsène. Voilà, je suis de retour, on reste couché au sol, les pieds hauteur, plus ou moins à une main des fesses. Et je lève le bassin dans un premier temps. Donc ici, les fessiers vont se serrer quasi automatiquement. Mais il faut essayer de rentrer le nombril. Pas avoir le ventre qui sort. J'aspire mon nombril. Lève une jambe. Allez, comme ça. On tient. Trois, deux, échange, hop. On va partir sur un mouvement rapide sur l'autre jambe. Dépose la jambe gauche, jambe droite en l'air et un, hop. Les fesses descendent, vous voyez que ma jambe reste bien dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Reste en haut. Redépose les deux pieds au sol. Relève jambe gauche.
celle qui n'a pas encore travaillé, enfin, si, justement, celle qui a travaillé, qui n'a pas bougé, change, hop, rechange et rapide, hop. On est bien sur un deuxième travail. On a travaillé jambe droite avant, maintenant jambe gauche, enfin l'inverse avant. Jambe gauche avant, maintenant jambe droite. Et reste en haut. Hop. Solide, on essaie de trouver l'alignement genou, hanche, épaule. Pas trop haut, pas partir en hyper extension. Redépose les pieds au sol, écarte un peu plus les jambes. Lève les talons. Resserre les pieds. Lève jambes droite. Lève jambes gauche. Hop. Retour jambes droite rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Échange. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 2 pieds au sol. Reste en l'air. Et relâche. Ok, bon, un petit coup. Et on va enchaîner sur un petit peu de travail de corps, d'abdominaux. La sangle abdominale. Je remets le micro, enfin j'essaye en tout cas. On met les mains sous les épaules. Bras droit levé, jambe gauche levée, pied droit levé si c'est possible. Ça c'est le niveau 1, ça c'est le niveau 2. Allez, on tient. On rentre bien le ventre. On serre les fesses. Je rappelle, si c'est trop difficile, pied au sol, c'est déjà pas mal. On essaye de ne pas bouger. Changer, main droite sous l'épaule, genou gauche sous la hanche, hop, 2, 1, et lève, si tu sais, trouver le bon point d'équilibre, on serre bien les fesses, on rentre le ventre. Relâche, gainage, planche. Alors, on essaie de rester bien droit, pas trop haut. On fléchit un petit peu les genoux, très légèrement. Les coudes sont sous les épaules. On aspire toujours le ventre. On laisse pas le ventre partir, on serre bien. Donc on évite trop creuser, non? On garde la colonne alignée, neutre. Double menton. Et on tient, allez. On peut un peu avancer les genoux. Si c'est trop facile, hein. Si c'est trop dur, non, on reste déjà comme ça, c'est déjà pas mal. S'il y a besoin de faire une petite pause et de repartir, pourquoi pas? Faites-le pour vous, faites-le à votre niveau. Relâche. Ouh. Faut boire un petit coup. On attend la chanson suivante pour enchaîner sur un petit peu de pompage. Je vois que j'ai dans un nouveau commentaire.
On commence par un petit peu de gainage latéral, alors deux niveaux, soit avec le genou et le pied au sol, éventuellement avec le pied levé, ok, en restant bien aligné, ou éventuellement directement sur les deux pieds, à vous de voir. Allez, c'est parti maintenant. Trois, deux, on change, hop. Voilà, comme ça. Allez, reste solide, rentre le ventre, aspire le nombril, serre les fesses. Le coude plus ou moins sur l'épaule, pas trop vers l'avant. Hop. On passe sur les genoux pour quelques pompages. Alors sur les pieds, si c'est trop facile, let's go. Un, deux, trois, à vous de gérer votre niveau. Quatre, cinq, six, on passe sur les coudes. Hop, hop, montez, descendre. À votre rythme, pas trop vite. On essaye de pas trop bouger les épaules, pas trop bouger les hanches, on reste bien gainé. On pousse. Selon, c'est trop facile, vous pouvez même y aller comme ça si vous le souhaitez. Et on reste en haut. Serre bien les fesses. Entre le ventre. Et relâche. Petite pause et on repart sur quelques pompages. Allez, on replace. Sur les genoux, sur les pieds, comme vous le souhaitez. Let's go. Un. Deux. Alors, vous pouvez écarter un peu plus les mains si vous le souhaitez, à vous de voir un petit peu l'amplitude, enfin la distance entre les deux mains. Reste en haut. Passe sur les coudes. Ça peut se faire toujours avec les genoux au sol, bien sûr. Tout ce que je fais là peut se faire avec les genoux au sol. Petite pause. Et on repart sur 8 pompages. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière, 8, relâche. Ok, bon un coup. Santé. Et on repart sur 2 chansons cardio. Il nous reste 2 chansons cardio et une chanson pour partir un peu en gainage. Je vais nouveau un petit peu le micro parce que ça fait un peu de la scène. Allez, voilà. On se remet en mouvement, on commence à trottiner. On descend un peu les fesses. On part à droite. Petite danse russe. On retravaille sur un peu sur les cuisses. Alors tantôt on a fait déplacement latéral, maintenant on va faire déplacement avant-arrière. Trois petits pas vers l'avant, trois petits pas vers l'arrière. Travailler le freinage. Allez, c'est parti, let's go, boum. Trois petits pas. Une fois je freine sur le pied gauche, une fois sur le pied droit. Hop, pied gauche, pied droit. Hop. Yes. Hop. Et relâche. Continuez. Récupération s'il faut, si c'est vraiment trop dur. On passe sur une petite danse irlandaise, on s'en passe de la Russie à l'Irlande. Même chose arrière. Ah. On enchaîne par Paris, on voyage un petit peu, même si c'est interdit, on passera un French Canton. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop. Hop. Petit tour du monde,
ou de rock plutôt. On peut ralentir. Ah, et j'espère que vous êtes bouillants comme la chanson le dit. On repart bien bas. Bras. On repart sur le déplacement. Avant, arrière. 3, 2, 1, let's go. 3 petits pas vers l'avant. Boum. 3 petits pas vers l'arrière. On freine sur le gauche, on freine sur le droit. Allez, encore, on tient, on est presque au bout de cette première chanson cardio. Il y en aura une deuxième. Et relâche, trottine. Alors récupération s'il faut, sinon on continue à trottiner. N'oublie pas de s'hydrater, très important. On va se remettre un peu en mouvement sur des levées de genoux devant. Abduction. Let's go. Hop. Change. Hop. On repart sur un French canton après celle-ci. Alors, bah, vous avez peut-être déjà fait là, sur les routes ou sur les trottoirs, on va faire un petit peu de patin à glace. Je m'explique, je veux avec un pied, je change. Ça c'est le niveau plus dur, le niveau le plus simple c'est ça, en gardant les fesses bien basses. Hop. Ici mes hanches ne bougent pas trop, on reste bien bas. Je viens toucher à gauche et à droite, un peu mimer le patin à glace. Je reste bas. Je rentre toujours mon ventre. Ça, c'est pendant tout le cours. Travailler sur le transverse. Et relâche, trottine. Allez, il reste un refrain. Un peu de coordination. Deux danses irlandaises devant, deux derrière. Un, deux. Hop, hop. Devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière. On va retourner sur du French avec ceci. On le rajoute. On fait un, deux devant, un, deux derrière. Un French à gauche, un French à droite. Et un, hop, un, hop, retour devant. Hop, pour travailler le cerveau un petit peu. Hop, French. Devant. Et patin à glace, let's go! Aïe, tenez, yap, yap, yap! Aïe, j'espère que vous êtes toujours là! Il nous restera une chanson d'abdos et puis c'est stretching! Au plus je vais loin, au plus c'est difficile pour ceux qui recherchent un petit peu la difficulté, l'intensité. Allez, Tony, ça se termine, ça se termine. Il reste quelques secondes. Alors, important, il paraît que quand on sourit, c'est plus simple. Donc, n'oubliez pas de sourire. Yes. Et relâche. Santé. Le cours est bientôt fini, heureusement. On termine sur une chanson gainage. Un petit peu en latéral parce qu'on n'a pas spécialement beaucoup travaillé. Et un petit peu en frontal aussi. Hop. On garde les genoux au sol pour tout le monde. Okay. On va faire 3 petits pas vers l'avant, avec les mains évidemment. 3 petits pas vers l'arrière. Ce sera plutôt 4. 4 petits pas vers l'avant, 4 petits pas vers l'arrière. Je garde les fesses serrées, je rentre le ventre. Je cherche l'allongement, j'avance. Et lentement pour commencer. Petit, là pour l'instant c'est assez simple. On essaiera d'aller chercher un peu plus loin. Maintenant, on va déjà chercher un tout petit peu plus loin.
vérifiez votre niveau. Si là, déjà là, c'est compliqué, mais pendant le refrain qui arrive, vous gardez ce niveau-là pour un peu plus facile. Et pour ceux qui veulent, on va chercher un peu plus loin. On revient à chaque fois avec les mains sous les épaules. Allez, les fesses sont toujours bien serrées. Allez, encore. Hop. On change de sens. Main gauche qui part devant maintenant. Pas trop bouger les fesses. Là, j'ai un peu bougé mes fesses, petite erreur. Les fesses sont super serrées. Hop. Je me perds un petit peu. Les genoux qui glissent un petit peu aussi. Et rush. On passe en planche ventrale. De nouveau, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On ira faire une ouverture. Donc, venir presque toucher son omoplate ou son aisselle. Venir ouvrir. Ok, solide sur l'épaule, pas trop vers l'avant, l'épaule est sous, le coude est sous l'épaule, je vais y arriver, je commence à être fatigué aussi. Allez, planche. Léchis un petit peu les genoux, les fesses sont bien serrées. Alors ça peut se faire évidemment sur les genoux, on est parti. Et 1, 2, 2, 1, hop, hop, on pivote sur les pieds. On change les côtés dans 3, 2, 1, changez. On attend le refrain, on attend le refrain, donc on part de la planche, on part de la planche, touchez son aisselle et venez haut. Allez, tenir, c'est la fin. C'est la fin, come on. Voilà, je termine en planche. Et voilà. Ok. Je vais changer la chanson. Je vais mettre la chanson de d'étirement. Pensez à bien boire. Je suis tout noir, ne vous inquiétez pas. Lâchez un petit commentaire. Si c'est des produits trop faciles. Ah, un petit stretch. Je suis de retour. Alors voilà. Restez couché au sol. Hop. Ici, fesses sur les genoux. Fesses sous les pieds. Main devant. On essaie de descendre les épaules. Voilà. On récupère bien, n'hésitez pas à descendre un petit peu le son de la musique. C'est bien pour le stretching, diminuer un petit peu le rythme cardiaque. C'est bien. Ok, avec la main droite, je viens chercher l'extérieur dans mon tapis. Je vais déposer la main le plus loin possible. Toujours en gardant l'autre main loin devant. Changer. Hop. Main gauche devant, main droite. Viens chercher. Alors c'est plus simple si vous arrivez à accrocher quelque chose, ça tire un peu plus. Si c'est possible, sinon bah, vous essayez d'éloigner la main. Ok, on vient remettre le pied droit devant. Pied droit devant, je pousse le bassin vers l'avant et le bas. Ok, et je pousse également avec ma main droite sur mon genou droit. Donc, bas et avant pour le bassin, vers l'extérieur, vers la droite ici, pour le genou. Pied gauche devant, le bassin vers l'avant et le bas, poussé vers la gauche,
Retour sur le pied droit devant, même position, sauf qu'ici on va venir chercher son pied. Alors, si vous avez un peu les chevilles sensibles, venez prendre la cheville. Si les chevilles vont bien, vous pouvez prendre le pied. Venez retirer le quadriceps, amener le talon à la fesse. Étirement des ischios, hop, jambes si possible tendues en fonction de votre souplesse. Si possible tendues, on bascule légèrement les épaules vers l'avant. N'hésitez pas à mettre les mains vers l'arrière, comme ça on évite de trop creuser, enfin trop arrondir, pardon. Hop, orteil vers soi. On essaie de garder la colonne neutre, on cherche le allongement, le grandissement. Essayez d'écarter un petit peu. Hop. Alors mettez pas un trop grand écart pour l'instant parce qu'on va venir un petit peu fléchir très légèrement. Le genou ici, le genou droit, fléchir un petit peu. Étirement des adducteurs. Les pieds sont bien parallèles. Changez. Vers l'avant, plus ou moins à 45 degrés. On va essayer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Étirement du trapèze. Vers le plafond, hop, pousse vers l'arrière, on sort un peu la poitrine, on reste quand même bien gainé pour pas trop creuser au niveau des lombaires, du bas du dos. Et voilà, fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes toujours, enfin, vous êtes resté jusqu'au bout et toujours plus ou moins le même nombre de personnes en ligne depuis le début. Je vous félicite, c'était vraiment, enfin j'espère que vous avez bien fait ça. Semaine prochaine, vacances, nous on sera toujours là. Ce sera soit moi, soit mon collègue Hakim, on verra bien encore, on ne sait pas encore trop. Pour ceux qui ont des vacances, ben, profitez-en, reposez-vous bien. Pour ceux qui n'en ont pas, ben, continuez comme ça à vous battre. Et à la prochaine. Ciao, ciao, n'hésitez pas à faire des commentaires, hop, à dire ce qui n'a pas été, ce qui a bien été. À la prochaine.